Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. Pour cette 34e émission, nous vous proposons une émission spéciale, organisée en marge des déjeuners-débats du mouvement patronal éthique, emmené par sa truculente présidente Sophie de Menton. J'ai l'honneur, l'immense honneur, d'accueillir aujourd'hui un président adulé, car son entreprise est leader mondial de la beauté. J'accueille aujourd'hui Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal. Monsieur le Président, en liminaire de cet entretien, il y a une question qui me taraude et je souhaiterais que vous puissiez m'y répondre. Pour une entreprise qui est présente dans 5 continents et 130 pays, qu'est-ce que le beau et comment se décline-t-il? Et y a-t-il pas de conflit entre les beaux, vérité au-delà du Rhin et mensonge de ça? C'est une très bonne question. Je vous remercie. Et c'est probablement de toutes les questions la plus, à la fois la plus compliquée et la plus simple. Parce que, en fait, je pense tout simplement que le beau, c'est un idéal. Et que cet idéal, il est justement très varié. Et que tout le monde peut avoir son idée du beau, son idée de ce qu'il aimerait améliorer en lui, ce qu'il aimerait mettre en avant, ce qui lui paraît être justement la facette la plus esthétique ou séduisante, valorisante, etc. Et c'est ça qui crée justement le cœur de ce métier, vous avez raison, parce que c'est pour ça que notre mission, on le dit, c'est la beauté pour tous. Et la beauté pour tous, ça veut bien dire le d'ailleurs que c'est... n'est pas identique partout. Exactement. Et ça veut bien dire, on pourrait même dire, ce sont les beautés pour tous. Voilà. Les beautés pour tous ou la beauté pour chacun qui peut être tout à fait différente de l'un et de l'autre. Et c'est tout à fait vrai quand on étudie un peu les cultures de beauté de tous les pays, qui sont très fortes d'ailleurs. Les pays se définissent aussi sociologiquement par des cultures de beauté. La culture de beauté chinoise ou indienne, ou brésilienne. Qui contredisent parfois des idées de beauté qui sont aux antipodes. Absolument. Et chacun a sa culture de beauté. Et la mission d'un groupe comme L'Oréal, c'est justement d'être capable de répondre à toutes ces envies de beauté, à toutes ces cultures de beauté, qui sont justement des idéaux complètement différents. Y a-t-il ensuite une relation avec peut-être la diversité ou les diversités? Je sais que L'Oréal est très engagé sur ces sujets-là. Et comment est-ce que le lien se fait-il? Il se fait exactement comme vous le dites, très naturellement, parce qu'à partir du moment où on comprend que les beautés sont par nature diverses, qu'il y a une infinité d'idéaux de beauté, une infinité de désirs, de rêves de beauté, il faut y répondre par une diversité d'offres de beauté. Et la seule manière d'être capable aussi de répondre à cette diversité d'offres, c'est d'avoir nous-mêmes des équipes très diverses. Parce que, par définition, on ne va pas demander à une personne d'être capable de comprendre de tout le monde et de s'associer ou de s'identifier à tout le monde. Et donc, la variété et la diversité des équipes est absolument fondamentale. Moi, j'avoue que c'est une conviction et une passion chez moi, que j'ai en particulier... approfondi lors de mon passage à New York dans les années 2001-2005 où la diversité était en avance par rapport à l'Europe. Et donc quand je suis revenu, j'ai vraiment voulu faire en sorte que la diversité soit au cœur des valeurs de l'entreprise. Il y a un concept chez L'Oréal dont j'ai entendu parler qui s'appelle les universalités ou l'universalité. Est-ce que c'est en lien avec le sujet que je viens de poser? Tout à fait. Alors ce concept, c'est pas exactement ça, c'est l'universalisation. C'est un mot un peu compliqué. Et d'ailleurs, pour être franc, c'est un mot qu'on a inventé. Et qui voulait dire justement ça, vous avez raison, qui voulait dire que nous voulons globaliser nos marques, mais nous voulons globaliser nos marques dans le respect des différences pays par pays. Et c'est toute l'idée que nous avons mis derrière universalisation qui est la globalisation dans le respect des différences. Bien. Merci donc pour cette réponse. Comment est-ce qu'on définit L'Oréal simplement aujourd'hui? L'Oréal, ça se définit par sa mission. L'Oréal, c'est la beauté pour tous, les beautés pour tous. Et donc, ce sont tous ces collaborateurs passionnés qui font un seul métier, la beauté, qui se dédient à ce métier, qu'ils soient scientifiques, dans la production, dans le commerce, dans le marketing, etc., et qui ont tous cette obsession de pouvoir offrir aux consommatrices et aux consommateurs du monde entier le meilleur des produits beauté en matière de qualité, efficacité, sécurité, sincérité. C'est cette aventure commune qui définit L'Oréal.
Donc on va monter d'un cran, on va regarder un petit peu le monde tel qu'il est aujourd'hui. Un anthropologue, un jeune anthropologue qui s'appelle Abdou Gnaba, dit qu'il est VUCA, il est donc volatile, complexe et ambigu. Prendrez-vous ce terme? Ah oui, tout à fait. Non seulement je le reprendrai, mais je l'ai même repris d'ailleurs de nombreuses fois depuis début 2016, puisque j'avais découvert ce concept dans la Silicon Valley. Mm-hmm. Et je trouve que c'est un concept très juste. Alors VUCA, en plus, c'est facile à retenir. Mais c'est vrai que le monde aujourd'hui, il est très volatile parce que tout arrive à tout moment. Il est complexe parce qu'il est uncertain, donc incertain parce qu'on sait rien n'est prévisible et les choses ne se passent jamais comme prévu. Il est complexe parce que c'est parfois compliqué de comprendre qu'est-ce qui est derrière, quelles sont les causes, les causalités des événements qui se produisent. Et enfin, comme ambiguous, ça veut dire donc c'est un peu difficile à lire aussi. Et je veux dire que moi, j'ai beaucoup utilisé en interne auprès de mes collaborateurs ce terme de VUCA parce que je le trouve très pertinent et qu'il aide tout le monde à comprendre justement la complexité du monde d'aujourd'hui. Tout ça dans un contexte de révolution numérique. Oui. Cette révolution numérique, comment est-ce que vous la vivez? Est-ce qu'elle vous fait du bien? Est-ce que vous fait du tort? Comment est-ce que vous en... vous l'utilisez? Oui. Moi, je la vis très bien parce que je trouve qu'elle est incroyablement enrichissante. Elle enrichit notre métier. Si vous voulez, la révolution digitale a permis de remettre le consommateur complètement au cœur de la démarche. Bien sûr, le consommateur a toujours été très important pour L'Oréal, mais il était un peu loin parce qu'on concevait des produits pour lui et après on les mettait sur le marché, on communiquait à travers la télévision ou la presse, donc on n'avait pas cette relation intime. Avec le digital, le consommateur est au cœur. Il est au cœur de la conception des produits, il est au cœur de la communication des produits, il est au cœur de la co-commercialisation, donc c'est un changement radical qui fait d'ailleurs qu'il y a une vraie révolution consommateur qui est en train de se produire et qui rend notre métier beaucoup plus passionnant, beaucoup plus enrichissant, extraordinaire. Passionnant, enrichissant, j'entends bien, mais quand on a un groupe qui fait 97 milliards de capitalisation, je crois, avec... 107, avec 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, le résultat est autour de 4 milliards. Comment est-ce qu'on se réinvente? Comment on fait pour justement ne pas subir les attaques des concurrents peut-être et se laisser dépasser? C'est une bonne question, mais c'est assez facile chez nous, je veux dire. On a peut-être un peu moins de mérite que les autres parce que depuis toujours, L'Oréal a été une entreprise finalement très décentralisée. Mmh. Ce n'est pas un gros bateau centralisé, une grosse maison où les ordres viennent d'en haut et sont répercutés, etc. C'est quelque chose de très mouvant, de très biologique, de très décentralisé, et donc où il y a plutôt une flottille d'affaires, de marques, etc. Ouais. Et donc cette structure-là, elle est beaucoup plus agile. Mmh. Et autant cette organisation paraissait, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, peut-être à certains, inadaptée au monde d'hier, autant elle est incroyablement bien adaptée au monde d'aujourd'hui. Et c'est ça, je crois, qui nous permet d'être beaucoup plus rapide que les autres en matière digitale, beaucoup plus rapide à se transformer, beaucoup plus rapide pour créer des produits, de s'adapter aux tendances montantes, etc. Je pense que ça nous aide beaucoup. Dites-moi, on est à une période où des sociétés de la GAFA, des entreprises de la GAFA, réalisent des chiffres époustouflants sans rien produire. Un Apple qui fait 800 milliards de capitalisation, 400 milliards de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça c'est pas frustrant? Non, vous savez, je ne suis pas un homme frustré. Je vois plutôt dans tout ce qui se passe de la curiosité, de l'intérêt, de l'opportunité, etc. Je trouve ça assez fascinant, plutôt au contraire. Et ça montre que, de toute façon, le monde est en pleine transformation. Et justement, le fait qu'on parlait tout à l'heure de VUCA, je pense que le monde est VUCA aujourd'hui parce qu'il est en mutation. Mmh. On est entre deux mondes, le monde d'hier et celui de demain qui n'est pas encore arrivé. Et effectivement, il y a des entreprises d'un nouveau type qui arrivent sur le marché. Ça ne veut pas du tout dire pour autant que les entreprises qui créent des produits sont inadaptées. Et en tout cas, moi, tout mon rôle et ma mission et ma passion, c'est justement de faire en sorte que L'Oréal se transforme pour être complètement une entreprise du troisième millénaire. Nous arrivons au terme de notre entretien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, pour terminer, nous donner votre sentiment sur la Maison France
puisque vous êtes quand même une entreprise française, bien que multinationale. Qu'est-ce que vous pensez de cette Maison France et de la politique de la France ? Ben moi, je pense que la France est à un moment assez privilégié. Je vois bien que ce qui se passe aujourd'hui, moi je voyage énormément, je voyage 5 mois par an dans tous les pays du monde, etc. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'image du monde sur la France a changé. La France est en train de devenir, aux yeux du monde entier, un pays porté sur l'avenir, confiant en son avenir. Un pays d'entrepreneurs, un pays de... Donc vous avez une vision positive? Ah, très positive. Quelle est la part de L'Oréal dans, globalement, part française de L'Oréal Alors, dans le groupe? Ça dépend de ce qu'on appelle la part française. Le chiffre d'affaires que L'Oréal fait en France, c'est 8% de son chiffre d'affaires mondial. Mm-hmm. Par contre, 25% des produits que nous produisons dans le monde entier sont produits en France. Mm-hmm. Et 70% de la recherche que nous faisons est faite en France. Donc en fait, si vous voulez... C'est en France, la France, c'est le cœur du réacteur de L'Oréal qui, bien évidemment, par contre, rayonne dans le monde entier. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en regardant cette caméra, nous donner les deux valeurs qui vous portent, monsieur Agon ? Liberté et courage. Écoutez, merci infiniment de vous être livré à nous si généreusement, parce que je pense que nos téléspectateurs le valent bien. Absolument. Je suis ravi et je vous remercie infiniment. Et merci Sophie de Menton, Éthique. En tout cas, pour L'Oréal, je crois que c'est assez simple. Ça repose sur quelques idées fondamentales qui étaient, dès le départ, dans la tête du fondateur du groupe et qui ont été absolument préservées de génération en génération. Bon, la première idée, c'est la qualité. C'est le choix stratégique depuis le départ par Eugène Schueller de faire des produits qui seraient toujours au meilleur de la qualité. Le deuxième choix stratégique, ça a été de ne faire toujours qu'un seul métier. Après tout, si on veut devenir un grand leader mondial, il vaut mieux être un grand spécialiste. Plutôt que se disperser dans plusieurs domaines. L'Oréal, finalement, c'est destiné à un seul métier, qui est la beauté. La troisième raison, elle est liée à l'innovation. Et en fait, ça repose aussi sur un constat assez simple. Qualité et innovation vont de pair. Pourquoi ? Parce que la beauté est un idéal. Par définition, on n'a jamais complètement atteint le summum de la beauté, la perfection de la beauté. Et donc, les consommateurs qui comprennent bien ça sont en permanence en recherche de produits qui vont encore plus loin, qui font encore mieux. On a été récompensé pour la 8e fois consécutive comme une des entreprises les plus éthiques au monde. Il y a beaucoup d'autres dimensions, la dimension aussi de la diversité. La première diversité étant bien sûr celle du genre. Vous allez me dire que c'est assez normal pour une entreprise de produits de beauté comme L'Oréal de faire le maximum pour la promotion des femmes, puisque effectivement les femmes représentent 70% des collaborateurs du groupe, 46% des membres du conseil, plus de 50% des comités de direction. L'Oréal a été reconnu par un organisme très respecté qui s'appelle Equilip comme la société numéro 1 en matière de gender equality, c'est-à-dire d'égalité stricte homme-femme en matière de rémunération, et ce dans tous les pays du monde. Les dermatos, mon dermato en particulier, m'a dit, vous voyez, je m'intéresse beaucoup autour de ça, mais m'a dit que, par exemple, en matière de recherche, il fallait beaucoup plus faire confiance à une entreprise comme L'Oréal, qui a tellement d'investissements et d'argent forcément rentables en recherche, que vous êtes meilleur sur tous ces problèmes, et on a même trouvé des crèmes médicaments dans vos marques, qui sont prescrites comme telles, alors que ce sont des crèmes de beauté, parce que vous avez la recherche la plus pointue qui existe. Mais il a raison, votre dermato. Il a raison, parce que finalement, prendre soin de sa peau, c'est une chose sérieuse. Et effectivement, c'est aussi pour ça qu'on fait de la recherche. On ne fait pas de la recherche pour pouvoir raconter qu'on fait de la recherche. La preuve, d'ailleurs, c'est que vous ne saviez pas que L'Oréal dépense autant d'argent en matière de recherche. Ce n'est pas un argument.
On ne fait pas de pub pour dire L'Oréal, la première entreprise en matière de recherche dans le monde, la première marque en matière de recherche. On le fait juste parce que c'est vrai. On le fait parce que c'est vrai que, en matière de cosmétique comme en matière dans d'autres domaines, l'investissement en recherche est fondamental et c'est ce qui permet d'avoir des produits qui vont plus loin. Vous savez, moi j'ai une conviction et on a établi ça comme des socles essentiels pour nos produits, c'est que nos produits doivent être ceux qui vont le plus loin en matière de qualité, efficacité, sécurité, sincérité. Donc c'est ces quatre socles, enfin ce socle de quatre éléments est absolument fondamental et c'est effectivement ça qu'on recherche pour tous nos produits. Mais c'est vrai que vous allez en Chine, vous allez au Brésil, vous allez aux États-Unis, vous allez en Finlande, vous allez en Australie, vous retrouverez, adapté bien sûr à l'esprit local, mais vous retrouverez cette culture l'oréalienne qui est une culture de la qualité, de l'excellence, du dépassement.